Ouais, salut les oiseaux, c'est Parano, je vais me faire opérer direct d'entrée. On se retrouve pour le 8ème épisode du standalone Far Cry 3 Blood Dragon. On va commencer à attaquer un petit peu les missions principales. Lui il est sous qu'il en peut plus. C'est bon. Oh putain, ils sont à l'affût du dragon. Vous savez ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de faire un petit truc, un petit peu mesquin, je vais voir si ça marche. Ça fait sauter son pote, non? Oh, allez, t'es découpé. Attention, il a dit. Voilà, comme ça, ça c'est fait. Donc j'ai déjà mis le marqueur pour la mission. Oh, méchant. Tu vas te faire démolir, c'est sûr et certain. Ok, regarde bien. Oh, le bordel, du coup, c'est le dragon. J'ai aussi une mission qui dit que après m'avoir fait repérer par un dragon, faut que j'essaye de qu'il arrête de nous poursuivre en fait. Donc, on va voir si ça marche. Donc, là, j'ai bien couru. Je crois que je l'ai fail, c'est pas grave. Parce qu'il faut rester dans la zone, hein, bien sûr. Affichage du nouvel objectif. Éliminer tous les ennemis. Tout de suite. Non, pas pour le moment. La garnison, la faudra peut-être en fin de vidéo. Bon, je suis toujours à la recherche de ma tortue. Hein. Ma tortue et mon requin. Le requin, ça va être plus facile. Mais la tortue, ça va être plus difficile pour repérer vraiment les arbres au maximum. Doc, j'approche des coordonnées. Écoutez. Un homme, le docteur Carlyle, aide Sloane à fabriquer des armes biologiques tout en sachant qu'il ne devrait pas. Oh Rex, je ne sais pas quoi faire. Vous le voulez mort? Oui. Assassinat? Oui. Pas de problème. Je sais que c'est une chose terrible à faire. C'est mon boulot. Ok. Le docteur Carlyle est au centre Chakma, un complexe d'armes biologiques situé sur une île proche. Il y a un poste de sécurité situé sur la crête qui surplombe le détroit. Ils ont un deltaplane là-bas. Prenez-le. Objectif, sécuriser le deltaplane. J'arrive à me repérer ce chien mort. Où tu vas? Je l'ai bien baisé. J'entends une sorte de bruit bizarre. Ah, c'est un serpent! Ok. Ça va, j'ai réussi à bien le viser ce chacal là, lui. Donc, Delta Plan. Ready. Il faut sauver Darling. Non, mais t'es sérieux, mon gars? Ça va, je sais comment ça marche, wesh. Doc, vous avez parlé d'armes biologiques? On essayait de battre les Russes. On espérait que le sang de dragon pourrait regonfler nos forces armées. Mais ensuite, on a découvert son effet sur les gens normaux. Il les a transformés en sauvages. Laissez-moi deviner, vous avez essayé de convaincre Sloane de ne pas l'utiliser. C'est là qu'il a demandé davantage de roquettes, comme la lance rouge. Il les a armées. Contre les communistes? Contre tout le monde, Rex. Je crois qu'il vise le monde. Et il est aidé par le docteur Carlyle. Je l'arrêterai et je mettrai fin à son opération, Doc. Personne ne menace ma planète. Avertissement. Ennemi détecté droit devant. Et alors, je fais comment? Oh putain, j'espère qu'il y a un truc promoté, oui c'est bon. J'allais dire, oh là là, si j'ai fait tout ça pour rien, bordel de merde.
Donc ils m'ont repéré, mais je peux m'échapper un petit peu. Je le vois pas. Ah si, ça y est, j'ai vu. Je l'aurais jamais de là comme ça. Peut-être là, oui. Yes, mon gars, en pleine tête. Aïe. Juste une pointe. Tu te casses la gueule. Ok. Donc des snipers un peu partout. Je t'ai vu toi là-bas. Pourquoi ça marche pas? Ça veut pas le spotter. Marque-le, bordel. Je le touche. Yes, mon gars. La vache, j'assure. Moi, je t'ai pas vu, toi. Foiré. Hein. Wow, wow. Appuie sur eux. Non. Putain, croco de merde, quoi. Fais chier. Et elle va repartir dans son speech. Oui, je sais. Elle va dire ouais, voilà. On va parler d'armes biologiques. On essayait de battre les Russes. On espérait que le sang de dragon pourrait regonfler nos forces armées. Mais ensuite, on a découvert son effet sur les gens normaux. Il les a transformés en sauvages. Laissez-moi deviner, vous avez essayé de convaincre Sloane de ne pas l'utiliser. C'est là qu'il a demandé davantage de roquettes, comme la lance rouge. Il les a armées. Contre les communistes? Contre tout le monde, Rex. Je crois qu'il vise le monde. Et il est aidé par le docteur Carlyle. Je l'arrêterai et je mettrai fin à son opération, Doc. Personne ne menace ma planète. Avertissement. Ennemi détecté droit devant. Bah les couilles, je... Ok. J'étais là. J'ai fait un doigt. Alors je lui en ai rendu 5. Ça m'a cagué. Ok. Je suis sur l'île. Rendez-vous au poste de sécurité pour ouvrir les portes arrière du complexe. Le code est 653-9X. Objectif, pénétrer par l'entrée arrière. Votre attention, s'il vous plaît. La dernière série de grenades est défaillante et ne s'amorcera pas si vous ne prononcez pas le code grenade lancée. Bon, je voulais avancer un petit peu cette partie, mais bon, comme je l'ai fait d'un coup... J'ai diffusé par inadvertance le code d'amorce de vos grenades sur l'interphone et déclenché l'explosion de plusieurs grenades. Je tiens à m'excuser auprès de ceux que j'ai accidentellement mutilés et ou tués. Lol. Putain, je vais me faire opérer. Votre attention, les
grenades répondent également au code d'amorce. Prends ça. Prends ça. Allez, c'est parti, putain. Il m'attaque pas à moi, Triso. Ok. Je pense qu'on va monter par là. Ciao. À mon avis, c'est blindé de mecs ici, non? Pas tant que ça en fait. Lui qui essaye de me cramer le cul. Au cas où. Il est mort de fatigue. Ça c'est bon. Allez jusqu'à l'entrée du laboratoire. Je m'en bats la race de ta vie, mon gars. Vous pouvez survivre à presque n'importe quelle chute. Presque. What the fuck, c'est quoi ce truc? On y va. Oh merde! Doc, j'y suis. Le docteur Carlyle dirige le projet d'aérosolisation du sang pour les roquettes lance-rouges. J'ai vu le résultat de ces expériences. C'était horrible. Vous en faites pas, Doc. Je l'arrêterai. C'est Rex Colt qui vous le garantit. Objectif : éliminer le docteur Carlyle. Ça commence à devenir sérieux là. Bienvenue, sergent Rex Power Colt, dans votre dernier jour sur Terre. Libérez l'homme Kraken. Quoi? Impossible d'obtempérer. L'homme Kraken est en phase finale d'achèvement. Saloperie de hardware 8 bit bon à rien. Action, exaçante. Il m'a même pas vu. Mais t'es sérieux? Mais je vise quoi là? Faut pas faire du bruit. C'est parti où mes flèches là? Ah ouais, j'aurais été parfait dans ce rôle. T'es con. Une porte qui s'ouvre toute seule. J'adore 2007. Ah.
Qu'est-ce qu'il a fait? Bon, ça va être easy pour tuer les deux. J'espère qu'ils sont pas... Signe anti-vie détecté. Tirer dessus pourrait peut-être constituer une distraction. À moins que ça ne se retourne contre vous. Dans tous les cas, bonne chance. C'est quoi ce truc? Des scientifiques sans vie. Eh mais en plus il meurt pas le truc. Calme-toi, reste tranquille. Je crois que je l'ai bien dit. C'est un truc de fou, ce truc de malade là. C'est scientifique, genre sans vie. C'est comme ça qu'on fait. S'il me demande de choisir des munitions, c'est que. C'est bon, je suis paré, mon gars. Quoi, paré quand j'y parais, je rigolais quoi, tu vois, j'étais. Je peux rentrer dans la place, tu vois. Le bordel. Que quelqu'un lui tire dans la tête. Alerte, tirer sur les unités de confinement libérera les morts filants. Attention, tirer sur les unités de confinement libérera. Je sais. Moi, je me confile, je m'en bats les couilles. Je vais s'embrouiller. Je comprends pas où ils me disent d'aller. Je suis vous. J'ai un accès partiel à leur système. Je vous déverrouille les portes. D'accord. Bien ça. Attendez pendant que j'ouvre cette porte, Rex. Tu crois que je vais faire quoi? Je vais partir en courant ou quoi? Ils font bordel les trucs, hein. C'est abusé. Hein. Vous avez vu ou pas? Il faut scandale. J'ai envie de courir pour pas qu'il me touche. Il y en a qui arrive vers moi. Je crois qu'il a compris. Dommage. Ah ça y est. Bordel de merde, ça y est, ils m'ont trouvé. Ah mais t'es sérieux? Laisse-moi ouvrir, laisse-moi entrer. Objectif. La sortie. Boum. La sortie elle est où? Attends, déjà on va aller dans le cash shop. LOL, putain de mission quoi.
attention, sergent Colt. Un tir malencontreux et vous libérerez mes créations, les morts filants. Ah, mais il est malade, lui. Qu'il tire sur les conteneurs et qu'il dirige vos morts filants sur l'Oméga Force. Il s'attaque généralement à tout le monde. Il s'attaque généralement. Pourquoi vous lui avez dit ça? Et il y a des trucs là-bas au fond, vous croyez que si je tire dessus? Non. Objectif. Prenez la sortie. Oh, j'avais pas vu le chacal. Et comment tu me vois? Je suis derrière un mur. Quoi ce bug? Espèce de crétin! Vous croyez vraiment que me tuer résoudra tout? Le projet est complètement automatisé désormais! Sloan dispose d'assez de sang, l'aérosol et de roquettes pour contaminer le monde entier! Doc, Sloan a réuni tout ce qu'il lui faut pour lancer les roquettes. Je viens vous chercher avec un hélico. En fait, ils savent qu'il y a un ennemi, mais ils savent pas où. Donc on va tâcher de pas se faire opérer. Avec moi, vous connaissez, ça va durer 5 secondes. Vous rigolerez moins quand mon homme Kraken sera opérationnel. Et qu'est-ce qui vous fait en rire? Qu'est-ce que ça fait d'avoir un code datant de l'année dernière, sergent Colt? Ah lol. Vous ne pourrez jamais me vaincre, espèce de primate. Je suis le cyborg ultime. Oh oh. Bordel de merde, il me crame le cul. Il me crame le cul. Il est mort sur un coup de tête. Scientifiques ont résisté. Ceux qui n'étaient pas avec Carlyle? Oui. C'était un poids mort de toute façon. Faut rentrer là, non. Vous n'êtes qu'un cyber-rat, prisonnier de mon cyber-piège. Même si je pense que ça sert pas à grand chose. Ascenseur gravitationnel détecté. Il peut inverser la pesanteur pour vous projeter en l'air. T'es sérieux? Les scientifiques. Wow! Votre heure est arrivée, sergent Rex Power Colt. Est-ce que l'homme Kraken est prêt? Affirmatif. Libérez l'homme Kraken. Impossible d'obtempérer. Wow! Le mécanisme des portes du laboratoire est défaillé. Je repère un point faible dans le sternum du dragon de sang. Visez la lueur sur sa poitrine. N'oubliez pas, Rex, accroupissez-vous et faites-le plein de cybercœur. Un point faible? Que, comment tu... Ne détourne pas l'attention des dragons de sang avec des cybercœurs, ils le grilleront vivant. Votre micro est allumé. Bordel! Voilà, ça va être hardcore les oiseaux. Parce que là, j'ai pas de truc pour me surélever ou rien du tout. Bon, on va commencer déjà par tout ce qui est C4, etc. On va s'amuser.
bouge pas, il a grillé le C4. Bon déjà, C4, fusée. Ensuite, on peut miner le terrain aussi. Ça va être hardcore mon gars, ça va être hardcore. Régale-toi. Yes, j'ai récupéré. Allez, 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 t'en plaise. Il y a une Gatling gun là, je peux envoyer la sauce. J'ai pas vu qu'il y avait des munitions sur le côté. C'est parti mon rêve. On est là. Waouh. J'ai pas le temps d'activer qu'il me court après comme des chacals. Allez, allez. Allez, allez, vous éclatez là-bas. Ah, il y en avait une derrière moi, j'avais même pas vu. Bon ça, petit dragon. Il va manger, il va manger. Oh le bordel! C'est l'heure du goûter. Oh le bordel! C'est chaud les gars, c'est chaud. Aide-le. Quelqu'un lui tire dans la tête. Vas-y. Envoyez d'autres super soldats. Impossible d'obtempérer. Cette saloperie de hardware 8 bits est visiblement incapable de satisfaire de votre supérieur. LOL. Pitié, ne me tuez pas. Impossible d'obtempérer. Objectif, prenez la sortie. Elle est meurt, salopard. J'ai un coup de... Bon travail, Max. Sacré plan, Doc. J'aurais détesté vous perdre. Je veux dire, un bon soldat comme vous. Objectif terminé. Allez à ses coordonnées. J'aime bien la machine qui se retourne contre le maître. J'ai trop kiffé. Level 25. C'était chaud vers la fin, c'était un truc de dingue. Je vais jamais réussir. Mais attendez, alors, petite picouse. Comme ça on se remet bien. Ah, ça fait du bien. Ah. Donc d'accord, 5 sur 7. Ok, 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 garnison, il n'y en a que 7. Je pense que je vais en prendre vite fait une. Je suis à combien? 33 minutes de vidéo. Quoi, 30 et quelques. Je vais vite prendre celle-ci et après on va s'arrêter ici. À 500 mètres et j'ai pas de véhicule. Oh putain, it's dragon, no! J'ai une mission qui dit que je dois m'échapper. Quoique le dragon doit redevenir. Mais non, il se fait aggro. Ah, je crois que c'est bon. Mais pourquoi ça m'a pas fait le succès alors?
Bon, ben mangez, bon appétit. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est rouge lui? Ah, mais il est dressé! Ils l'ont dressé! J'ai l'impression qu'il était dressé ce chacal. Ah, mais ça y fait rien, c'est vrai! T'es Keblo, hein? Foiré. Moi, j'ai toujours pas trouvé ma tortue là, de la mort qui tue, bordel. Et dire, mais c'est bien ennemi ça. Scan en cours. Nouvel objectif localisé. Éliminer tous les ennemis avant de continuer. C'est comme si c'était fait. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Ah, mais t'es sérieux que je manque ça? Putain. Moi, j'ai l'impression que ma sensibilité de la souris, elle est... Elle est trop puissante. Pas trop élevée. Trop puissante. N'importe quoi. Allez, go me chercher maintenant. D'accord, lui m'a vu. Dragon! Alerte! Méga bouclier de la garnison désactivé! Alerte! Méga bouclier de la garnison désactivé! Donc moi je me fais de l'oseille, eux ils se font défoncer. C'est bon ça! Il leur fait scandale! Salut! Alors son point faible est au-dessus au torse, alors ok, je savais pas. Ils auraient quand même attendu. Bon. Voilà, boum boum boum. Où est le dernier? Espèce d'enfoiré. Méga bouclier activé. Méga bouclier activé. Et ben voilà! Comme ça, ça s'est fait. Putain, elle était énorme cette garnison là. Il y avait des trucs souterrains, pas souterrains. Oh, vous avez compris, je suis obligé de la faire, c'est ça? C'est ça, obligé. Bla bla bla. Tuer, bla bla bla. Prise d'otage en plus, c'est bon ça. Putain, par contre, c'est super loin. Il m'a repéré, mais il m'a pas repéré. C'est
C'est ça, c'est du pompe, mon gars. Ça, c'est du pompe. Bon, ma tortue, là. J'entends un bruit bizarre, là. Peut-être qu'ils sont parés, les tortues. Allez, putain, tortue mutante. J'entends un bruit chelou, je sais pas ce que c'est, quoi. Dites-moi qu'il n'y a pas de requin. Pas de crocodile. Ça va. Tout seul, ça m'étonnerait, toi. Vous êtes que deux. Ça pue l'embrouille. D'abord lui. Protéger l'otage avant de se faire déchiffrer. Ou juste descendre. Il est où l'otage? Suivez la flèche. Oh putain, tout ce qu'il y avait comme truc. Oh. Non. Bon, en enfer, bande de bâtards. Bon, vous aurez compris, je ferai cette mission lors de la prochaine vidéo, ça veut dire qu'il fallait pas que je la fasse, voilà. Donc on va s'arrêter ici. Donc là c'était vraiment que l'entrée. Ok, après il y a un petit truc, une petite balade, comme ça on le saura. Donc écoutez, merci d'avoir regardé encore cet épisode sur Far Cry 3 Blood Dragon. Je vous dis à très très bientôt, c'était Parano, allez peace tout le monde.